Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a un plège, là il y a une armure dorée. On va rentrer, on va voir ce qui se... Difficile d'écrire dans pénombre, chef. Dit qui n'avoir besoin d'encre qui brille la nuit, peut-être? Alors, attendez, là il y a un piège. J'examine. Je peux examiner ce piège, oui! Impossible. Ah! Bon. Alors peut-être que... Peut-être qu'en examinant la pièce, hein, on sait jamais. En examinant la pièce... rien ici. Détritus. Oh! Des trucs, des trucs. Un anneau mystérieux. Il y a quelque chose d'étrange ici. Ah! Ma compétence de découverte. Alors ça c'est une compétence ainsi que la loupe que je possède qui peut m'aider. Oh, salut toi. Levier de sol. Ah, le piège. Alors attention. On va parler alors. Okay. J'ai obtenu. Ouh. Aume fulgurant. Alors, concentration plus 5, brandon de feu. Waouh! Et j'ai obtenu aussi ça. Ça, je pourrais pas le mettre par contre. Ça, je ne pense pas pouvoir le mettre. Ouais, je vais garder tout ça, mais waouh! Une armure en or! C'est à ce moment-là que je me dis que ce... Alors, par contre, le home, je vais peut-être le garder. Le home, j'avoue, je vais le garder parce qu'il a l'air vachement cool. Je vous le dis. En tout cas, de très belles salles. Et ici, un golem de fer. Au revoir, le golem de fer. Oh, puis on monte. Oui, on monte le niveau tranquille, écoutez, hein. Je pense que le level up se fera peut-être ici. Un coffre. Je prends le risque. Cool, plein de trucs. Ah, un établi d'alchimiste. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, sur cet établi. Donc, je mélange la statue de Mithalar. Avec une de poudre, ça me fait un désactivateur de golem. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc j'ai un désactivateur de golem. Ok. Ensuite, j'ai un sceptre doré avec une poudre bleue et une poudre jaune. Sceptre doré, poudre bleue, poudre jaune. Alors, je vais mettre ça là, au cas où. Poudre bleue, poudre jaune, je ne l'ai pas. Donc, ouais, il faut que je sois sur un établi d'alchimiste pour créer ces objets. Alors, je vais être honnête, cette session sera sûrement très courte. Mais genre, vraiment très, 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 très courte. Sauf que, bah, j'espère que cela ne vous déplaira pas. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu, on va continuer d'avancer. Hein. Regardez, il y a encore des salles qui ne sont pas découvertes. Ça, je pense vraiment que ça doit être bah, la suite. Mais, dans le doute. Bon, toi, non, toi, tu es mort. Tu es mort, tu n'as pas été réparé. Un signe? Ah non, un signe. Les mots inscrits sur cette pierre ont été effacés par le passage du temps. Vous pourrez toutefois en déchirer une partie. Laboratoire expérimental, ne pas entrer avec. Ne pas entrer avec. Avec, sans doute, des choses. Alors. Ah. Ne pas rentrer avec. Vite, faisons une sauvegarde. De quoi? Hein? Hein? Ah! Qui m'attaque? Mes armes. Ce sont mes. Ce sont mes armes qui m'attaquent. Ah, oh, c'est salaud!
Ah, c'est salaud! Ah, oh, il est drôle, le magicien, hein, le faiseur. Ah, il est marrant. Donc. Ah, il est marrant, ce faiseur. On va essayer autrement. Si je fais ça et que je rentre. D'accord. Ok. Alors, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si je les pose par terre cette fois, est-ce que ça va marcher? C'est une vraie question. Pendant ce temps, il y a des gens qui me parlent sur divers réseaux. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Hein, je vous donne à peine 3 secondes. Voilà. Donc, en faisant autrement, je prends mes armes. Je pose au sol. Là, alors attention, est-ce que nous sommes d'accord que ça peut marcher? Attention, le moment de vérité. Je dois poser. Ah oui, donc je dois poser toutes mes armes. Ok. On n'est pas sorti. Vraiment pas sorti. D'accord, je dois poser toutes mes armes. Oh là là, oh là là, j'aime ça. J'aime ce genre de jeu où tu dois déposer toutes tes armes. Donc la baguette, tu la déposes. La torche, surtout, ah bah surtout la torche, hein. Ah, surtout la torche, ça tu peux le garder, je pense. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Ah bah le sceptre. Voilà. Normalement, c'est bon. J'ai tout posé. Et j'ai juste. Bah. J'ai une. D'accord. Ah! Mais il y a des armes, j'avais pas vu. Il y a des armes, je les avais pas vues, lol. Je suis pas sûr que ça marche beaucoup quand même d'attaquer mes armes. Techniquement, là, j'ai pas d'armes sur moi. Bon, écoutez. Ah! J'ai rechargé une save. Le Godman ne marche plus. Dommage. Ça y est? Ah, semblera-t-il que ce soit bon. Dans ce cas, je vais récupérer les armes. Oh, de la poudre. Oh, une plaque de mercure. Oh, je prends. Non, j'ai dit, je prends, pas que je vais la mettre. Bon, maintenant, faut ouvrir. Non, la porte est ouverte. Bon, bah voilà. Une hache de guerre. Une épée de petit bâtard. Un squelette mort. Ah, toi tu. Oh, putain, très très belle image de squelette. Petit collier. Une épée courte. Je prends une hache de guerre naine non identifiée. Un marteau de guerre. Un casque, un marteau de Merkil. Et des restes, eh ben, je les ai pas vus. Attendez, je prends tout, hein. Je ferai le tri dans 2 secondes. Oh! Ah bah oui, c'est les miennes, ça. C'est mes armes, lol. Utiliser. Ah, ça, je peux lui parler. Oh putain, mais c'est vrai, je peux lui parler.
Ah oui, c'est vrai que je peux lui parler à cette arme. J'avais celle-là et j'avais cimetière plus 2, rien. Je pourrais peut-être changer mon arme par contre. Je pense que je peux prendre une épée bâtard, une épée des petits bâtards. Ou une âme plus 2. Ouais, je vais garder. Et donc tout ça après, il faut ranger. Alors attends, c'est quoi ça, marteau de guerre plus 3? Elle est où l'arme que je voulais voir? Alors, ouvrir. Ok, là, il n'y a plus de place. Là, il y a de la place par contre. Je peux mettre celle-là. Alors toi, tu es une, ok, une hache de guerre. J'ai un troisième sac par contre. Celui-là, il est un tout petit peu pris. Celui-là, c'est moins combien déjà? Moins 80. Et bah parfait. Donc du coup, on va mettre le reste. Ah voilà, c'est celui-là, Merkil. Alors toi, tu es quoi? Oh! Alors ça pourrait être intéressant de contre les golems. Pourrait être très très intéressant. Bon. Voilà, donc c'est ça, je l'ai fait en legit. C'est un des rares combats legit que je ferai. Je pense que vous êtes prévenus. Voilà. Voilà. Je suis, encore une fois, je suis désolé pour les personnes qui voulaient voir du vrai combat comme avant, mais il y a un moment, il faut que le jeu arrête de casser les couilles. Voilà, comme le diraient si bien certaines personnes. Alors du coup, mes armes que j'ai mises dehors, je les ai en double. Ou comment ça se passe? Ah non, d'accord. Ah non, d'accord. Ok, donc ouais. J'avais pas. Ouais, si ma torche. D'accord. Ok, bon bah. Ah, c'est un peu con quand même d'avoir fait ce truc. C'est quoi ça? Potion de guérison suprême? Potion de guérison. Ah, mais pourquoi je le. Vider l'emplacement. Pourquoi je l'ai en deux fois ça? Bon. Je n'ai plus le Godbud. Hein, comme ça, vous le savez. Donc, un petit peu de difficulté. Hein, mais je leur mettrai de toute façon. Des petites coupures. On aime ça. Vous aussi, vous l'aimez. Je suis sûr que vous aimez ça en plus. Me voir galérer comme un connard. Encore un établi. Oh, un coffre. Ah oui. Du bordel alchimique. Alors ici, donc il disait du rouge et du jaune et des chocs à pic. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Non, tu veux que le casque ne sert à rien. Le casque ne sert à rien ici. Merde, c'était du rouge, du jaune et des quoi? Alors, bah, il n'y a pas de rouge. Non, du bleu, du jaune et un sceptre doré. Du bleu, du jaune et un sceptre doré. Ça me paraît évident. Je n'ai pas de sceptre doré. Dis-moi, pas pour l'instant. Peut-être en trouverai-je derrière cette porte. J'espère en trouver derrière cette porte. Sinon, bah, on va se faire chier. On va se faire chier. Ah, du coup, attends. LOL. Tiens. LOL! Putain, mais. Attends, c'est moi qui viens de faire ça ou. Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer quelque chose. Hein, je ne garantis pas que ça va marcher. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est ça. Équipé. Donc là, ça va me l'équiper sur quelle main? Je ne sais pas laquelle. Oh, ça marche! Oh, je vais casser, je vais tataner du golem. C'est bon. Voilà, là, vous voyez, les combats, ils sont plus simples. Voilà, c'est ça que je voulais, le marteau. Oh là là, est-ce que d'un coup comme ça, vous vous sentez pas mieux? On a galéré pendant 10 minutes, mais quelque part, c'était 10 minutes où on s'est dit, voilà. Voilà, quand même, connard, connard, enculé. Joue bien. Et bah regardez, le jeu, il nous a dit, tiens, voilà, marteau, démerde-toi.
Oh, alors sainte écriture du créateur, encore une dose de métal art. Alors sceptre doré, je ne l'ai pas. Et lexique arcanique, oui, ça c'était le même bouquin qu'il y avait tout à l'heure. Alors ici nous avons un sceptre doré. Voilà, nous allons donc pouvoir créer le deuxième objet de craft de ce donjon, hein, dirons-nous. Nous allons donc pouvoir nous atteler à l'établi d'alchimie, n'est-ce pas? Hein, et pouvoir obtenir. Donc, je mets ça là. J'ai de la poudre d'ailleurs. J'ai de la poudre. Ah, j'ai de la poudre bleue. Je mets de la poudre bleue et de la poudre. De la poudre jaune. Et ça me fait un contrôleur de golem. Et ça, c'est beau. Il me manque. Ah bah j'avais une. Ah mais j'avais une épée courte. Ok. Il me faut donc, si je me souviens bien, un cristal magique. Cristal magique. Mais j'en ai pas un. J'ai une gemme. Mais quitte cristal magique. Non, émeraude. Un anneau. Fénélope, rubis. Si j'ai pas chopé un cristal magique là quelque part. Non. Bizarre. Il me semblait pourtant avoir chopé un cristal magique. Et donc du coup il me faudra juste la poudre rouge. Je n'ai plus de poudre rouge. Si j'ai une poudre rouge. Et poudre rouge. Il me faudra juste une poudre bleue. J'avais une poudre rouge. Me semble-t-il que j'avais une poudre. Ah oui, j'avais deux épées courtes. Connard, connard, enculé. Là, je vais le mettre là. Alors là. Bon, peut-être que. Derrière cette porte. Voilà, golem de pierre, vous voyez, golem de pierre, combat incroyable grâce au marteau. Ce marteau qui est complètement goldé. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. Alors, un coffre. Ah bah non, cristal magique. Le pont gros cristal magique, lol. Alors, un caillou. Enfin, une baguette, des cailloux et des machins. Donc, alors attendez, j'ai le cristal magique. Il est. Oh, non, on va même le mettre là. Donc, j'ai le cristal magique. Il me faut de la poudre. Hein, pas de la poudre qui se sniffe. Ah, j'ai une poudre rouge, donc on est d'accord. J'ai une poudre rouge et il me manque une poudre bleue. Que je n'ai pas encore. Que je n'ai pas encore, mais qui sait, il reste une salle là. Donc je suppose, je ne fais que supputer même, je suppute, et là c'est encore plus fort, voyez-vous, que ben je vais en trouver, qu'il y a un piège juste là que je vais examiner déjà, pour commencer. Dikin, connard, connard, enculé. Dikin, connard, enculé. Putain mais oh mais je déteste. Oh mais je déteste ça. Ah putain je déteste ça. Ah putain. Likin, connard, connard, enculé. Voilà, mais le jeu est un connard, hein. Voilà. Likin, connard, connard, enculé. Y a pas d'ennemis proches. Alors on peut remarquer aussi l'absence de musique. Qui elle est. Ah si. Alors, mais il n'y a pas d'ennemis. Arrêtez de vous foutre de moi. Ah mais ils sont là les ennemis. Ah mais c'est bon. Voilà, regarde. Mais en fait c'est des créatures invoquées ça aussi. Ah ouais, c'est des créatures invoquées. Ah mais on m'a rien dit moi, monsieur le juge. Ah mais c'est complètement des créatures invoquées en fait. Mais regardez le combat, il va 14. Il va plus vite, regardez, je lui mets du 50. Ah oui, c'est. Ah mais oui.
Ah mais oui, c'est des créatures de métal. Mais regardez comment il va plus vite ce combat. Est-ce que quelque part c'est pas ce que je voulais depuis le début? Parce que taper du caillou, tu vois, c'est bien sympa 5 minutes. Mais quand t'as pas ce qu'il faut, eh ben on se fait chier. Bon, par contre, j'ai toujours pas de poudre bleue. Je ne trouve pas la poudre. Non? Non, mais qu'est-ce-toi? Vous êtes sûr que je n'ai pas la poudre bleue? Alors, si, ça j'avais dit que j'allais me l'équiper. Donc, voilà, je me l'équipe. Hein, on va voir les modes de cette clé plus 4 avec un bonus incroyable de vie. Ah, bah attends, dans le coffre. Ah bah voilà, la poudre bleue, la poudre qu'on ne va pas sniffer les enfants, pas cette fois. Et donc du coup, eh ben j'ai ce qu'il faut. En théorie j'ai ce qu'il faut. Je vais revenir là-haut. Donc là j'ai ce qu'il faut, j'ai un impôt, j'ai un contrôleur et un désamorceur, plus une un marteau, ma foi, complètement pété que je ne revendrai jamais. Parce que ce marteau a une propriété qui dépasse l'entendement. Et je ne compte absolument pas le vendre. Donc, je prends la boule magique. Tac, on met ça là. Et puis on met la poudre. Et ça fait un appôt à golem. Et ça, voyez-vous, messieurs, dames, c'est beau. Tu voudrais... Non mais, vous ne pouvez pas... Ah, ça... Je ne peux... Non, je peux pas. Très bien. Eh ben... Donc, trois objets indispensables, mesdames et messieurs. Voilà. Eh ben, je pense que nous avons fini cet étage. Je le pense même très, très, très fort. Hein. J'en suis même certain, voyez-vous. J'en suis même vraiment certain. Mais je pense que nous allons encore nous amuser un bon moment avec cette salle. Hein. Donc ce que je vais faire, hein, ce que je vais faire pour les besoins, alors pour mon propre besoin et pour les besoins de la vidéo, enfin de la session, c'est que là s'il y a un escalier, pour moi je fais une pause de 5 minutes, et puis on reprendra, et puis moi je reprendrai, mais vous aurez tout, enfin vous aurez les épisodes au fur et à mesure. Moi je pense qu'on va faire ça. Puis de toute façon on va faire ça. On va voir un petit peu. Bon, il y a encore les petits bugs du code mode. Hein. Regardez-moi cette merde. Eh, dis donc ça, espèce de gros sac à merde. Est-ce que j'y vais un petit peu ta tête, mon marteau? Qui ne te fait aucun dégât. Oui? Allô? Allô, j'aimerais taper, en fait. Il a pas dit un chiffre là? Je crois qu'il a dit un chiffre. Ah, c'est encore un golem à la con. C'est encore un golem à la con. Donc il faut entrer un chiffre. Heureusement que je me souviens de ce qu'il a marqué. Et que je n'ai absolument pas triché. À cause de la solution qui se trouve à côté de moi. Mais la solution, mesdames et messieurs, eh bien c'est. Alors ça va venir actuellement dans pas longtemps. Alors ça, je trouve quand même que c'est. Je trouve quand même que ça c'est bien foutu. 4, 5, 6, 7. Tu vois, en fait, ça c'est le stade où tu pourrais mettre des petits easter eggs. Voilà. Voilà, connard enculé. Et j'ai complètement cassé. J'ai tout cassé. Y'a pas un truc là qui pop? Non. Et là on finit sur 79. Waouh, quel chiffre qui fait peur. Et je suis à 26 000. 26 000 et quelques. Voilà. Bon,
Eh ben écoutez, moi je pense qu'on est bien. Je passe l'escalier, je fais le combat obligatoire s'il y a un combat obligatoire qui va popper. Et puis je pense qu'on va se dire, enfin moi je vous retrouve tout de suite, mais petite pause pour moi-même. Et puis... La rébellion de Féron va échouer. Prosternez-vous devant Agaz ou disparaissez. Agaz n'a aucun droit sur nous. Pourquoi le suivre? Agaz a été nommé par le Faiseur. Il doit régner jusqu'au retour du Faiseur. Le Faiseur est mort. Agaz ne commande qu'au nom d'Agaz. Nous ne lui obéirons pas. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs. Excusez-moi, messieurs. Si vous voulez, je peux vous aider. Regardez bien. Messieurs, je peux vous aider. Voilà. Alors, si vous voulez, moi je connais un truc, ça s'appelle. Oula. C'est bon, le jeu rame un petit peu. Alors si vous voulez, messieurs, je connais un truc, c'est que... vous me dites où est le Faiseur. Voilà, battez-vous entre vous, c'est bien. Attends, mon ami, Golem, je vais t'aider. Voilà. Meurs, maintenant. Meurs. Pourriture communiste. Enfin, pourriture de... Voilà, démon. Alors, ma carte, où suis-je? Oh, ok. Tout cela m'a l'air... pas très très sympa tout ça. Bon, je vais donc faire une petite pause. Et puis je vous retrouve dans... tout de suite et moi plus tard, voilà. Attention, ellipse, incroyable.